Vous savez à quoi sert cette méthode? Normalement, vous avez travaillé, vous avez regardé ce que c'était le cabinet occurrence, comment il comptait les manifestants. Le ministre de l'Intérieur, il disait 30 000 avant la manifestation, et il a dit 30 000 après. Donc, au moins, il est sûr de ne pas se tromper, puisqu'il est capable de compter la manifestation. C'est un cabinet indépendant qui a mesuré 30 000 aussi. Il est tellement indépendant que ses dirigeants discutaient et disaient à Madame Aurore Berger qu'ils étaient prêts à l'aider il y a 5 ans, tout ça est documenté. Vous prenez un chiffre, vous dites c'est un chiffre indépendant. Je vous dis que cette méthode est très largement contestée. Vous savez à quoi sert cette méthode? Normalement, vous avez travaillé, vous avez regardé ce que c'était le cabinet occurrence, comment il comptait les manifestants. Ils utilisent une technique qui est normalement utilisée pour compter pas les manifestants, les gens qui rentrent dans les centres commerciaux. Alors si vous êtes en train de m'expliquer que pour compter une manifestation, il y a des gens qui rentrent dans un centre commercial, c'est la même chose. Je dis juste ça pour le Non mais t'as raison. Mais quelque chose pas bon, Kevin.